Donc cette sorte de poison a disparu définitivement de tout l'arbre généalogique. Elle a fait le nécessaire, oui. Et dans sa biologie également. Oui. Parfait. Alors, le fait qu'on lui a enlevé toutes ses dents, elle n'éprouve aucune douleur. D'où est-ce que ça vient? C'est en lien avec la paralysie faciale. D'accord. Eh oui, elle ne sent rien. Est-ce que sa partie subliminale peut lui envoyer de l'énergie si ce n'est pas fait, justement dans toutes ses parties insensibles? C'est ce qu'elle Pour leur. continue, c'est ce qu'elle continue à faire. D'accord, elle rééquilibre tout. Très bien. Elle en envoie aussi de ses. C'est comme, tu sais, pour donner une image, ces bougies qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire et qui pétillent comme des mini feux d'artifice. C'est ça qu'elle envoie pour Très bien. redonner de l'énergie vital à très haute fréquence. Attends. Attends, juste une seconde. Voilà, tu peux continuer. Alors, j'aimerais savoir une chose. Donc, on lui a enlevé pratiquement toutes ses dents. Et Corinne aimerait savoir si ça a des conséquences sur son plan de la santé, sur son corps. Et sur les autres plans. Ça éteint, ça inactivé des circuits en elle. Mais elle est en train de les réactiver. Alors justement, j'aimerais savoir, puisqu'on en est là, on dit que chaque dent est infusible pour des fonctions et des organes. Est-ce que tu peux vérifier si c'est vrai? Oui. Chaque dent correspond à des fonctions, des organes et des systèmes. Oui, et du fait qu'il n'y ait plus cette communication avec les organes et les systèmes du corps, c'est comme si c'était atone, moins d'énergie. Mais Est-ce qu'il y a... elle est en train de rééquilibrer tout ça, elle est en train de mettre de l'énergie pétillante de partout. Est-ce que ça veut dire que ça va rééquilibrer et remettre en fonction? Est-ce que ça veut dire que sans ces fusibles, ça peut quand même fonctionner dans un état optimal? Ça fonctionne. Y a deux choses à considérer. Ce qu'est en train de faire Corinne maintenant. Elle est en train de régénérer ses circuits, de tout remettre en route. La deuxième chose, c'est pour les humains dont les dents ont été dévitalisées ou enlevées. Et s'il n'y a pas de travail énergétique de régénération et de maintien en place de ces circuits, cela affecte tout le reste du corps dans son fonctionnement. Cela fait comme baisser en fréquence et diminuer l'énergie vitale. D'accord. Donc avec ce qu'elle est en train de faire, c'est l'élémental de son corps. Est-ce que pour Corinne, c'est en train de tout rétablir? Ah oui. C'est ce fameux travail de régénération et de remise en place des circuits, c'est ça? C'est ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer qu'une fois que c'est fait, dans sa partie physique, dans le temps d'intégration nécessaire, elle va retrouver les fonctions saines et optimales? Oui, quand l'énergie ne passe plus par un circuit, il suffit d'en créer un autre. C'est ce qu'elle fait. Très bien. C'est une très bonne information. Parfait. Ça donne un caractère, on va dire, ça donne de l'espoir. Dans le sens que si on enlève une chose, c'est pas fini pour autant. La vie est plus intelligente que ça, n'est-ce pas? C'est une infinie créativité. Tout est toujours en modification, construction.
Tout est possible. Si c'est pas par un circuit, c'est par un autre, c'est ça? Exact. Parfait.